sur les raids, faut pas rater l'alerte. Ça court partout, tu te fais péter, les chemis te mettent à terre. Cagoule m'étouffe, mais y'a rien. J'espère parler de trop, on a faim. C'est carré, faut bien qu'on m'écoute un peu tout par les yeux rivés sur moi, un peu comme tout pas. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Et chez Kib, c'est parti pour une petite vidéo actu du dimanche. Négro, je vois tout comme Fico. Balki, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, on a Jul qui vient d'obtenir son 22e disque de platine. C'est une dinguerie, avec son album La Route est longue. Et ouais, je rappelle qu'en gros, ben, il a fait 100 000 ventes en seulement 3 semaines. En gros, c'est le disque de platine le plus rapide de l'année. C'est une dinguerie, vraiment félicitations à Jul. Et c'est son 22e. Ensuite, ça c'est un truc de fou, il y a Snoop Dogg qui a mis des messages, mais en français. Et c'est des messages qui sont en train de tourner sur Twitter, il y a tout le monde qui le repartage. Puisqu'en gros, ben, c'est vraiment rare que Snoop Dogg il parle en français. Et là, ben, il a mis deux messages en français. Et c'est deux tweets qu'il a mis ben, récemment, tu vois. On peut voir qu'il a dit « Aïe, confiance en toi et sois toi-même. Reste dans l'ombre jusqu'à ce que tu accèdes au sommet. » Et au-dessus, il a mis une vidéo où il joue au volleyball et il a dit « J'apprends vite. Tu ne pensais pas que je pouvais jouer au volleyball ?» Point d'interrogation. Et voilà. Et il y a plein de personnes qui sont choquées dans les commentaires puisque ben, il écrit en français, tu vois. C'est une dinguerie. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui a pris le contrôle de son compte? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a une vidéo d'un streamer qui est en train de tourner un petit peu partout. En gros, c'est de Skyar. Puisqu'en gros, ben, il a croisé un rappeur et il savait pas qui c'était. Et le rappeur en question, c'était Seth Gecko, tu vois. Bref, regardez la vidéo, vous allez tout comprendre. Et c'est une vidéo qu'il a mis justement hier sur Twitter. Et c'est en train de tourner partout, regardez. Yo la team, attends, il m'arrive un truc, c'était très drôle. En gros, je suis à Lafayette et j'achète des fringues. Je suis à une marque un peu de luxe et tout. Et là, il y a un gars, je sais pas, je le connais pas, il me regarde, il me fait « Salut mec !» Et je me dis « Il m'a reconnu ou... » Je bug un peu. Et en fait, j'apprends que c'est un rappeur connu et au final, c'est Seth Gecko. Et je me dis, il a, sans offense, il a pas la tête. Et en fait, je pense qu'il a cru que je l'avais reconnu. Mais en vrai, bah non, mais du coup, c'est si drôle parce que je pense qu'il a cru que je l'avais reconnu. Je me suis dit, il m'a reconnu. Ah ouais, ça me fait plisser de rire. Parce que vraiment, il a, enfin, si vous voyez pas le look qu'il a, il a un look un peu énervé, tu vois. Bref, ça m'a fait chialer de rire et je voulais vous raconter l'histoire parce que c'est très très drôle. Ensuite, ça, je tenais à vous en parler. Il y a quelques jours, je vous ai parlé du soutien qui avait été ouvert par les 50 artistes. Et dedans, il y avait Afida Turner, etc. Et il y avait même Booba qui avait réagi. Et là, ben, il y a 600 artistes qui ont signé une contre-tribune et dénoncent la loi du silence concernant l'affaire Gérard Depardieu. Et ben, en gros, parmi ces signataires, il y a Angel, Medine, Luan, Pomme, Imani, Corinne Maciero, Clara Morgan, etc. Tu vois. Et il y a plusieurs personnes justement qui l'ont signé, plus de 600 artistes. Et je tenais à vous en parler, puisque je vous avais parlé justement de cette tribune de soutien. Et là, je vous parle justement de cette contre-tribune qui a été justement fait pour contrer cette tribune de soutien, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Hatik qui a réagi par rapport à ce que je vous ai dit hier. La manifestation qui est prévue aux Champs-Élysées à Paris pour la nuit de Nouvel An, en gros du 31 au 1. Il y a une manifestation qui est prévue en soutien pour la Palestine. Et c'est ce que je vous ai parlé hier. Et là, il y a Hatik qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit, en gros, demain manif mondiale pour demander un cessez-le-feu sur Gaza. Deux manifs au moins en France, à Paris et à Marseille. Toutes les infos sont dans les stories précédentes ou sur le compte de Rima Moubarak. Si vous ne vous rendez pas à la manif, une story au moins et ça fera de vous un être humain avec un cœur. Et c'est tout ce qui compte pour démarrer l'année. Et il a mis un cœur. Et là, en gros, ben, il a justement mis des stories précédentes où il y avait des infos par rapport aux manifs, tu vois. Voilà. Et je tenais à vous en parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, l'équipe, je tiens à préciser qu'il y a l'épisode 0 dans le radar qui est disponible sur ma chaîne. Et je précise aussi que c'est l'épisode pilote, tu vois. En gros, c'est pas vraiment l'émission qu'on veut faire complètement. C'est juste un brouillon, on va dire. Entre guillemets, t'as capté. Parce qu'en gros, ben, il y a le son qui est pas vraiment calé, etc. Et il nous manquait encore des choses acoustiques pour le son, tu vois. Et c'est pour ça que le son, il est pas calé. Il y a plein de choses, bref. Et tout ça, justement, ça sera fait pour la toute première émission. Tout sera carré. Là, c'est une émission pilote. Et je tiens à remercier justement les personnes qui ont accepté à venir pour justement m'aider dans cet épisode. Il y a DAKBT, il y a Shinkill, il y a Noachi et il y a Sasko.
et je tiens vraiment à les remercier. Et aussi à remercier Borny Buzz de nous avoir coté les locaux pour pouvoir le faire, tu vois. Et les prochains épisodes, ça sera carré, on aura un beatmaker, etc. Ça sera un peu plus propre que ça. Et là, pour le coup, tu vois, c'est moi qui a fait le montage. On a vraiment tout fait de nos mains, tu vois. Il n'y a vraiment aucun budget derrière. C'est vraiment fait avec cœur, quoi. Avec passion, etc. Et pour la culture. Et c'est pour ça que vraiment, ça me tenait à cœur de vous la publier aujourd'hui et de voir vos réactions. Et j'ai vu certaines réactions, ça m'a fait vraiment plaisir. Et il y a beaucoup de conseils que je vais prendre en compte. Vraiment, merci à tous, l'équipe. Et pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Et pour ceux qui veulent, les sons qui sont là enregistrés au tout début, ils seront mis sur Instagram en bonne qualité. Et avec les Instagram justement des rappeurs, etc. Je vous invite à aller voir, l'équipe. Merci à tous ceux qui laisseront un commentaire et un petit like. Caméra, j'ai pas le bac, j'ai arrêté avant. C'est ce qu'il a pas que la rue remplit mes poches. Toi t'as peine à quand t'étais chez les portes, t'as balancé ton fier quand tu m'as la main. Tendu, vendu, pendu, une info, grosse pute, on fait tartine. Soit ils abîment les V9-710, mais du volume, je crois qu'ils ont pas compris. Le temps est dead, y'a même plus d'aiguilles sur la pendule. On se lève la nuit, mais ne va pas croire qu'on est somnambule. Tu te noctambules, chacun de nous est dans sa bulle ou dans la brume, tous dans la buée depuis le début. Encore un son qui claque, encore un son qui pète. Chine qu'il est dans ton fiel, chine qu'il est dans ta fête. Plus mortel que le crack, la clope ou la zipette. Le destin sort les cartes, je crois que l'avenir est dead. Ça va péter, dealer, non, je sais que ça va péter. Pétard, on pratique 5-7. On va chier dans le bol, dans la sacoche, un glock. Je dégaine le ferret. Pour l'équipe, y'a dog, game a dog. Dans la cristalline, red, bulle vodka. Que des passe-passe, y'a de la pasta. T'as le bras long, mais en bas, tu passes pas. T'as coulé, vu, monte sur Insta. 3-0-5-7, on va monter les stages. Ensuite, il y a un freestyle de Ginor qui est en train de faire polémique. Il y a plein de personnes, justement, qui l'ont remis sur Twitter et qui sont en train de le clasher. En gros, ils appellent ça un flop, etc., tu vois. Puisqu'il a refait un freestyle dans sa laverie, tu vois. Et on peut voir qu'il y a une personne qui a dit « Il avait le choix entre le foot et le rap et il a flop dans les deux. Dinguerie. » Et c'est un tweet qui a pas mal tourné. Et c'est par rapport à ce freestyle qui a été publié il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Salut, ça va? Ok, 21 ans, je vais croire aux meufs que j'en ai 23. Mais quand tu fais du rap et que t'as des chaînes, elles ont faim de toi. Ta vie, je m'en BLK, ton avis, je m'en BLK. J'étais fan, j'ai fité avec un gros respect à BLK. Pour le moment, tout est impeccable. Il me faut Victoria Beckham, elles sont voilées, elles font soulever ses chaînes, elles sont comme nos bécanes. Ils font les fous, c'est des tasses. Hey. Comme Kamash, mais des passes. Hey. Elle aime baiser et boire, on peut dire qu'elle a bu la tasse. Hey. Hey. J'ai ma tête sur ma chaîne, mon ami. Yeah. Hier j'étais à Miami, yeah. Tour du monde, quand je rappe c'est trop facile, yeah. J'ai doublé le G sur mes habits, tour de magie, force à ton âge dans ta tête, puis enlève 4. Maintenant ajoute 10 au nombre, fais le rapide, faut qu'on s'éclate. Retire ton âge, faut être vif, je te laisse du temps pour que tu réfléchisses. Je fais du rap et de la magie, car toi résultat C6. Besoin de personne, pour écrire on le fait nous-mêmes. Faut appeler un recruteur au quartier, y'a trop de phénomènes, Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Tu sais, c'est dur de bosser à 10h, de pas bouger jusqu'à 2h du mat. Mais faut la paye, tu te restes en carré sans jamais mettre de pin. Faut bien cacher la mine. Le jeu n'aime pas les pertes, il préfère quand ça chiffre. 24 ans, je te jure que j'ai pas vu passer le temps. Toujours pas le mi-père. Cagoule m'étouffe, mais y'a rien. J'espère parler de trop, on a faim. C'est carré, faut bien qu'on m'écoute, un peu tout part, les yeux rivés sur moi. Un peu comme Tupac, la balle est logée, donc que le coup part, tout ça. On fait du cash, on n'attend pas la Toussaint. T'es mon sœur Meda, c'est pas pour les putes. Imbécile le dehors, c'est pas pour les balances. C'est sur leur camp qu'ils ont fait leur répute. Pour plus de 1000 euros, ça t'arrache les phalanges. J'ai pas de porte garant là, tu seras pas marrant. Ramène pas tes parents, t'as pas touché 40, wesh. MDR maintenant, faut qu'on s'arrange. Si j'étais à fond dans le purin, ce serait marrant. Donc voilà, qui se passe en création aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu, si un référencement, tu en penses dans les commentaires. Comme d'hab, ça peut mettre un commentaire, tu mets un programme, c'est juste pour référencement. Ouais, j'ai mangé les mots, c'est un truc de ouf. Voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, je te mens pas avec la chaleur. Peut-être que cette outro, vous allez la retrouver dans plusieurs autres vidéos. Donc, ouais, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine team vidéo et une nouvelle exclu. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé en haut alors qu'il y a rien du tout, c'est juste le plafond. Peace the game. Très tard, on se côté jusqu'à pas d'heure. Je suis de la frappe, les voisins se plaignent de l'odeur. Faut que les bleus là-bas qui font qu'il est des mineurs. Gros serrage, je m'adapte, j'ai l'assassin dans le viseur. C'est fini la bonne époque, on a fini de zoner. Matin, midi, je suis calciné, on fumait dans le zona. Du vrai vécu, poteau, tu sais qu'on veut pas m'y tonner. J'ai vécu des grosses balances mener la vie de son sein. Des millions de Yankees, des millions de Yankees, 3 millions de Yankees. Faut pas que tu sois trop gentil. Je vais pas te mentir, le mauvais jeu ça m'attire. De la rue on est imbibé. Pas grave tant que je fais mon bif. Pour les affaires j'ai le nif. Devant la juge on a tout nié. 1
millions de Yonkli, 2 millions de Yonkli, 3 millions de Yonkli.